Et c'est parti pour cette deuxième table ronde de la matinée de Workplace. Je suis très heureux d'accueillir nos invités. Elle est avec nous en plateau. Bonjour Marie-Pierre Leclerc. Bonjour. Alors vous êtes experte en sécurité des terminaux au sein de Dassault Aviation. Et puis vous avez aussi un rôle, j'allais dire, plus classique d'ingénieur de recherche au sein de cette entreprise Dassault Aviation. Vous allez juste nous en parler 2 minutes parce que c'est un nom qui nous accompagne depuis toujours. Pour autant, ça serait bien de préciser exactement quel est le métier de Dassault Aviation. Et puis il est à distance avec nous, on le voit, casqué, masqué, depuis Dunkerque, j'imagine. C'est Mathieu Catrix. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable d'exploitation à la DSI de la communauté urbaine de Dunkerque. La communauté urbaine de Dunkerque, c'est à la fois la ville et puis l'agglomération, c'est ça? C'est ça. Depuis quelques années, on a un service informatique mutualisé qui en prend en fait les deux entités, communauté urbaine de Dunkerque et ville de Dunkerque. C'est bien ça. Alors on va parler avec vous deux effectivement de cette problématique qu'on a connue de manière très forte hein, ces 15 derniers mois sur Digital Workplace, télétravail et dans ce contexte-là, comment on renforce la gestion des identités et des accès. Vous avez chacun un retour d'expérience assez intéressant à nous faire. C'est pour ça qu'on est ensemble ce matin. Mathieu, je reviens vers Marie-Pierre 2 secondes parce qu'évidemment, ce que je lui disais en introduction, Dassault Aviation, on entend toujours parler de Dassault, des avions Dassault. Précisément, faites-nous une petite carte postale de cette entreprise, son activité, combien de collaborateurs et tout ce que vous pouvez nous dire qui nous permettent de bien comprendre ce que c'est Dassault Aviation aujourd'hui. Dassault Aviation, donc, c'est une entreprise aéronautique qui construit des avions dans plusieurs domaines, donc des avions militaires. C'est essentiellement là-dessus qu'on est connu aujourd'hui avec le Rafale notamment. Des avions civils, donc c'est de l'aviation d'affaires, donc du business jet, qui est notre activité depuis plus de 50 ans maintenant, avec un commencement très remarqué par le choix de la Paname via Lindbergh, qui a choisi notre Falcon à l'époque qui s'appelait le Mystère, et le nom de Falcon a été choisi par Lindbergh. Merci Marie-Pierre. Alors ça c'est vraiment voilà, une info histoire pour commencer cette discussion sur la gestion des identités et des accès. Mathieu, vous êtes loin de nous, mais vous allez quand même nous expliquer qu'est-ce qui vous est arrivé un fameux mardi de mars 2020 où d'un seul coup le Premier ministre annonce que les entreprises basculent dans le télétravail et les entreprises du service public aussi, et c'est le cas de la ville de Dunkerque. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était quoi votre défi? Combien de personnes finalement a basculé du jour au lendemain en télétravail? Donc du coup, en fait, effectivement, ce jour J, on a donc, il faut savoir qu'on a 2500 agents en fait sur les deux entités, sur les deux collectivités. Et le but du jeu, c'était de pouvoir mettre en place un système de télétravail. Alors non pas sur l'ensemble des agents, parce qu'il y a des missions en fait de chaque collectivité qui ne sont pas télétravaillables, mais il fallait pour autant garantir un service public de qualité. Et du jour au lendemain, du coup, on a dû, nous, service informatique, tout remettre en question et voir ce qu'on avait comme différents éléments à notre portée pour mettre en place très rapidement cette solution de télétravail, en sachant qu'on étudiait en fait une solution de télétravail à l'époque, mais ça ne représentait que 70 personnes sur l'ensemble des agents, et que là, en fin de compte, il fallait faire une solution de masse. Et du coup, il a fallu que l'on voit et qu'on joue avec tous nos éléments pour faire quelque chose de qualité et surtout, en fin de compte, sécurisé également. Et très vite, la problématique de la gestion des identités se pose, j'imagine. C'est d'un seul coup un espèce de POC géant que vous devez mettre en place dans des délais extrêmement courts. C'est ça, en fait. L'idée, en fin de compte, c'est d'ouvrir notre SI pour que tout le monde puisse se connecter dessus. Mais ouvrir un SI, tout le monde le sait, il y a des gros, gros risques. Nous, en fin de compte, collectivité, nous sommes autant attaqués qu'une entreprise privée. Donc, du coup, il fallait donc garantir une qualité de connexion pour les agents, une facilité de connexion également pour les agents, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé pour protéger nos données, en fait.
Merci Mathieu. Là, on a bien le contexte hein, qui était le vôtre à l'époque. On va se tourner vers Marie-Pierre en disant, alors chez Dassault Aviation, autre contexte, hein, on l'a bien compris avec votre présentation, mais un défi tout aussi grand ce jour-là où d'un seul coup, vous devez envisager ce que toutes les entreprises françaises ont dû faire, c'est-à-dire basculer en télétravail, alors qu'évidemment, ce n'était pas forcément ni la culture maison et vous n'aviez pas forcément les outils pour faire ça. Alors, nous, on avait déjà des gens qui étaient en extranet, donc pour des missions, mais avec des pics qui montaient à 500 utilisateurs simultanés en VPN, et ça, c'était les jours de neige, hein. Donc, ce n'était pas du tout notre vitesse de croisière. Sur la mise en place du télétravail pour le confinement, on s'est heurté à plusieurs problèmes. Bon, d'une part, les infrastructures VPN qui devaient être augmentées. Par contre, on n'avait pas la difficulté de changer nos règles de sécurité. Toute l'architecture de sécurité était déjà en place. Les accès aux applications, la gestion des accès, la gestion des identités étaient aussi en place. On avait déjà mis ça en place. Par contre, on n'était pas du tout dimensionné pour ça. Et ça s'est fait sur tous les points, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'abord de trouver des PC portables. Et ça a été un grand problème au départ. Et on a raflé les derniers stocks qui étaient compatibles avec le logiciel de chiffrement qu'on utilise pour les PC portables, qui est quand même dépendant du matériel. Et donc, ça a été toute une équipe s'est occupée de ça, de rafler tous les PC portables compatibles qui restaient sur la planète. Ensuite, il y a eu une autre équipe qui s'est chargée de faire la masterisation de ces PC portables via notre outil de télédistribution Microsoft MECM. Et puis, moi, je me suis occupée de tout ce qui était la montée en charge du VPN, la distribution du VPN, puisque nous étions en plus, manque de chance, en pleine migration de notre solution VPN. On passait de VPN SSL à une solution IPsec. Donc, beaucoup, beaucoup de changements. Beaucoup de changements pour vous, Marie-Pierre. Vous m'avez dit, globalement, cette période, c'était travail 6 jours sur 7 pendant. Oui, travaille 6 jours sur 7, 15 à 18 heures par 15 jour. à 18 heures par jour. Oui, Bon, d'accord. Donc, c'est une pendant 3 semaines à peu près, le temps que la solution VPN IPsec que nous avons mis en œuvre devait être déployée normalement début mai. Et en fait, on l'a déployée le 26 mars. Donc, à partir de là, forcément, on n'avait pas du tout la communication aux utilisateurs n'était pas du tout prête. Les équipes de support niveau 1 et 2 n'étaient pas non plus prêtes. On n'avait pas de support. Donc, je m'en suis retrouvée. Moi, je me suis retrouvée au support niveau 3, bon, à faire niveau 3, niveau 2, niveau 1, niveau 0. Enfin, À tout faire, après, il y a des choses qui ont été assez drôles. C'est que il y avait des box, puisque les gens n'avaient jamais fait de télétravail, donc leurs box étaient mal configurées. Et je me rappelle avoir passé des appels au support de Orange, de SFR, pour avoir les documentations de leur box à 11 h du soir. Enfin bon, ça a été un peu épique par moment. Alors, petit mot spécifique sur ce VPN justement que vous étiez en train de changer. Il y avait un critère de choix particulier, c'est que ça devait être certifié par l'ANSSI, hein, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme toutes les entreprises françaises qui sont pas forcément d'ailleurs liées à la défense, hein, mais qui sont essentielles, considérées comme essentielles, nous suivons les recommandations de l'ANSSI, et en particulier pour tout ce qui est diffusion restreinte. Et donc, c'était pour ça que notre choix s'est porté sur le client VPN The Greenbow, qui remplit tous ces critères. Et qui est en plus IPsec, puisque c'est quand même une recommandation enfin, de la plupart des RSSI, quand même, aujourd'hui. Et donc, ces recommandations de l'ANSSI, en fait, nous sont très utiles à nous, puisque ça représente une facilité pour choisir qu'on n'avait pas avant. Et du coup, les solutions aujourd'hui sont plus faciles à mettre en œuvre, puisqu'on fait beaucoup moins de benchmarks pour comparer différentes solutions, quoi. On fait confiance à l'ANSSI sur ce sujet. Mathieu, vous du côté de la CUD, on dit de la CUD, on dit de la CUD, je ne sais pas. On dit la CUD. La CUD. On dit la CUD. Alors vous aviez évidemment une autre problématique, hein, on l'a bien compris. Comment ça s'est passé, vous, côté solution? Vous aviez déjà hein, une solution. Alors il se trouve que c'est aussi une solution française, on va en parler. Mais que finalement, vous aviez usage de cette solution pour une partie, j'allais dire,
un peu limité de vos utilisateurs. Et puis là, vous avez été obligé de faire ce qu'on appelle une montée en charge, mais une grosse montée en charge. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé tout ça. En fait, c'est effectivement, si on prend hors contexte Covid, on avait donc environ 70 utilisateurs qui étaient en télétravail, qui utilisaient une solution de boîtier RAP qui est interconnectée directement depuis la box de l'agent chez lui et qui reprend les conditions de travail. Donc depuis un ordinateur portable, le Wi-Fi de notre SI était diffusé chez lui, en fait, dans sa maison. Ça, c'était pour la partie du coup pour agent, mais on avait également une solution pour nos prestataires, où on avait une solution d'accès à notre SI sur les serveurs qui était mis en place et qui est donc un bastion de chez Walix qu'on utilisait uniquement en fin de compte pour nos prestataires. Donc ça, c'était la solution qui était en place avant le confinement. Lorsqu'on a eu l'annonce en fin de compte du confinement, l'idée a été de voir ce que l'on pouvait faire avec les ordinateurs portables qu'on avait à disposition. Au même titre que l'on vient de l'entendre, on avait en fin de compte également des portables, mais on a un parc d'ordinateurs portables qui est très, très restreint. La politique de la CUD en termes d'achat d'outils informatiques était d'acheter des PC et des stations de travail. Du fait que la mobilité n'est pas forcément en fin de compte le standard de tous nos agents. Donc on a pareil, on a regardé en fin de compte nos stocks, voir ce que l'on avait comme ordinateur portable et comme la dame le disait juste avant moi, c'est que bah, en fait on a dû retrouver ces ordinateurs portables, les mettre en fait, les masteriser de façon à ce qu'ils répondent à nos critères de sécurité. Et on a mis en place également un VPN SSL qui était déjà en fait actif chez nous, mais non utilisé dans le but du télétravail. Donc ça, c'était pour la partie des ordinateurs portables pro, mais malheureusement, comme on n'avait pas assez de machines pro et que la plupart de nos agents avaient une machine perso, il a fallu qu'on trouve une solution pour pouvoir mettre en place un télétravail depuis ces machines-là. Mais on ne peut pas, en fin de compte, d'un point de vue sécurité, dire qu'une machine d'un utilisateur qu'on ne connaît pas chez lui derrière une box puisse se connecter facilement via un tunnel VPN, par exemple, sur notre SI. Du coup, la solution a été d'utiliser le Walix qui nous servait pour les entreprises, mais de détourner son utilisation pour en faire en fait un outil de télétravail qui permettait donc aux agents de prendre la main à distance sur leur machine professionnelle qui restait en fin de compte sur le SI en local. Donc voilà, donc on a eu en fin de compte plusieurs péripéties à la mise en place de ces deux solutions, mais on est arrivé à nos fins malgré tout en fait. Merci beaucoup Mathieu. Alors je rappelle qu'évidemment, hein, vous pouvez poser vos questions à nos deux invités hein, sur la problématique de la table ronde, évidemment. Donc la gestion des identités et des accès dans le cadre quand même spécifique d'un cadre de travail massivement télétravaillé. Vous me disiez Mathieu aussi que on a beaucoup entendu hein, pendant cette première pandémie des entreprises du secteur IT dans son ensemble, mais de la cybersécurité en particulier, se mobiliser en disant, bon, voilà, période exceptionnelle, mesure exceptionnelle, si on peut aider, accès à des licences d'exploitation gratuites pendant X mois, pendant X semaines, jusqu'à nouvel ordre, même disaient certaines. On a pu douter hein, parfois de l'efficacité de ces mesures. Vous vous dites que ça vous a beaucoup aidé hein, finalement cette main tendue de l'éditeur, en l'occurrence c'était Walix. Ça vous a permis finalement d'accélérer votre projet et de pouvoir le réussir. C'est ça, tout à fait. En fait, comme je l'ai dit donc au tout début, c'est qu'on avait des licences pour l'accès en fait au serveur, qui était du coup que l'on devait garder parce qu'il faut que l'on maintienne notre SI. Donc, on ne pouvait pas supprimer ces licences-là pour les mettre auprès de nos agents. Et là, on a eu une main tendue, comme vous dites, de notre éditeur Webflix, qui nous a dit, mais on peut vous fournir autant de licences que vous voulez jusqu'au déconfinement. On vous les offre en fait, c'est gratuit. Du coup, on a sauté le pas, on a travaillé du coup avec Walix pour justement récupérer un maximum de licences de ce côté-là pour mettre en place une solution de télétravail pour les agents n'ayant pas en fin de compte d'ordinateur professionnel mobile, donc d'ordinateur pro. Du coup, à la suite de ça, on a donc
tout paramétrer notre infrastructure qui était déjà existante. Donc c'était assez simple pour nous de mettre quelque chose en place à quelques réglages près pour l'ouvrir en fin de compte à nos agents. Et on a réussi grâce à ça à pouvoir donner et de permettre une solution de télétravail sécurisée et facile à mettre en place. Et surtout, c'est là où on a eu un gain de temps phénoménal, c'est que on va dire la démonstration de l'outil ou le transfert de compétences auprès de l'agent, on n'a quasiment rien dû faire du fait qu'on a juste communiqué à l'agent l'URL de connexion Bastion en lui disant de se connecter avec son profil standard. Et du coup, derrière, l'accès à sa machine était tellement intuitif que du coup, on n'a même pas eu besoin de former nos utilisateurs là-dessus. Donc, on a eu un gain de temps phénoménal à expliquer le principe de fonctionnement. L'interface étant très user-friendly, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Donc, ça, c'est voilà, encore merci en fait à eux pour ce coup de main. Bon, merci aux entreprises françaises qui ont aidé l'autre entreprise française à passer ce cap. C'est clair, nous aussi, on était en pleine négociation commerciale avec The Greenbow pour les licences. Et notre service commercial et juridique est assez pointilleux, donc c'était une opération qui allait prendre du temps. Et quand j'ai téléphoné à Mathieu Isaiah le vendredi après-midi, avant le mardi fatidique, il m'a envoyé dans les 10 minutes un fichier de licence valable un an. Donc quelque chose qui fait que moi j'ai été complètement rassurée, et même quand ensuite on a parlé de prolonger le confinement, etc., puisque beaucoup d'entreprises se sont retrouvées un peu en difficulté parce qu'ils ont eu des licences en prêt pendant un mois seulement, hein, ce qui était le truc. Donc moi j'étais vraiment très très sereine de ce point de vue-là, et ça a été très très appréciable de ne pas avoir un souci supplémentaire dans cette période, quoi. Beaucoup d'entreprises l'ont dit, hein. C'est vrai que c'est dans ces périodes de difficultés finalement qu'on a permis aussi j'allais dire, de faire le tri entre ces prestataires, enfin, en tout cas sur l'attitude, sur la réelle volonté de tendre la main pour régler les problèmes entre ceux qui avaient une démarche sincère et les autres. Donc là, on est ravis d'apprendre qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises dont on parle aujourd'hui avec plaisir qui l'avaient. Marie-Pierre, vous me disiez que finalement, la spécificité quand même du système d'information chez Dassault Aviation, qui est très centralisé, où les postes ne sont pas connectés à Internet, ça peut aussi faciliter ce travail de gérer les identités et les accès. Ça rend la tâche plus facile, ou en tout cas plus contrôlable. Nous, on a un système de gestion assez centralisé, basé sur des annuaires. Donc, effectivement, on sait toujours, pour un utilisateur, les espaces, enfin, les fichiers auxquels il a accès, les machines auxquelles il a accès. Enfin, on a un contrôle assez important là-dessus. Tout ce qui est authentification pour se connecter à notre système d'information se fait en fait avec des cartes cryptographiques, donc de l'authentification forte. En aucun cas, on ne peut se connecter au SI avec un login mot de passe. Ce n'est pas autorisé, quoi. Et D'accord. puis, nous, on n'autorise pas en fait l'utilisation des terminaux des utilisateurs, leurs terminaux personnels. Cela étant dit, je trouve que la démarche qui a été faite là par la CUD était quand même, de mon point de vue, quand même assez sécurisée. Effectivement, passer par un bastion uniquement en remote comme ça, c'est quand même. Même si chez nous on ne l'autorise pas, je pense que on l'aurait fait. Enfin, je pense que c'est une bonne solution. Et nous aussi, on utilise des Wallix, hein, comme bastion. Mais cela dit, on est quand même dans une situation où le côté de monter en charge aussi vite, etc., on a été obligé de refaire des contrôles, de rajouter des contrôles à chaque fois pour vérifier qu'il n'y avait pas une erreur ou un truc, tellement les choses se sont fait vite, quoi. C'est plutôt là-dessus où certaines entreprises, je pense, n'ont pas pris les bonnes décisions comme la CUD de prendre une solution quand même sécurisée, et surtout de ne pas avoir remis en place des contrôles derrière à des moments où on peut se poser, de se dire, bon, ok, vérifions qu'on n'a pas fait une erreur ou des choses comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire quand même. Ouais. Est-ce que cette période quand même particulière, je vous pose la question à Marie-Pierre, puis vous répondrez là-dessus aussi, Mathieu. Est-ce que cette période-là, et puis finalement ce nouveau contexte, hein, qui s'installe, c'est-à-dire
hybridation du travail, hein, l'expression a l'air de s'installer et de devenir une réalité pour beaucoup d'entreprises de différents secteurs. Est-ce que du coup, cette gestion des identités et des accès ne devient pas le premier sujet de la cybersécurité? Finalement, c'est un peu le point sensible de la chaîne d'attaque et que c'est là-dessus qu'il va falloir faire porter les efforts. Ou finalement, pas plus que ça, il ne va pas falloir se désintéresser non plus des autres problématiques cyber. En fait, je crois que ça a toujours été, la gestion des accès des identités, ça a toujours été le point numéro un, globalement, de la sécurité. Je pense pour tout le monde. Je crois surtout là que c'est plus un problème d'infrastructure, c'est-à-dire que il y a eu à un moment donné des gens qui disaient que les VPN, ça ne servait pas à grand-chose. Des trucs. Bon, on se rend compte là que c'est faux, hein, qu'on est bien obligé de le faire. Je trouve aussi que, d'une manière générale, la DSI dans les entreprises a retrouvé un peu du poil de la bête, où c'était toujours des gens qui empêchaient de tourner en rond, c'est exprime ton besoin, je te dirai comment t'en passer. Enfin, et là, je trouve qu'on a quand même montré que, face à des situations très compliquées, on avait des solutions sur étagère, donc on n'était pas en train d'inventer n'importe quoi, on avait des solutions sur étagère qu'on savait faire comme à la CUD, un reuse de choses qu'on avait déjà étudiées et qu'on était capable de mettre en œuvre tout ça rapidement et de façon quand même sécurisée. Et ça, c'est quand même important que dans des entreprises, tout le monde se rende compte qu'on est quand même au service. Ben nous, c'est pas le cœur de notre métier, hein, de faire de l'informatique, hein, donc on est quand même au service de nos avions et de nos clients, et que ça a continué même pendant la crise du Covid. La valeur de l'IT a été Oui. éclatante. Oui. Enfin, ça a vraiment été une évidence pour tout le monde, Oui. y compris pour les commerces qui se sont retrouvés à être peut-être pris en charge avec vous au téléphone, Marie-Pierre, pour dire Ben oui, comment configurer le VPN. Et vous avez Voilà. parlé à tous les utilisateurs du haut de la pyramide en bas. C'est ça. Et puis en plus, les gens disaient merci au lieu de dire ouais, ça m'étonne pas que vous saviez pas truc. Pour une fois, on s'est pas fait trop insulter. Mathieu, je reprends la question parce que peut-être que vous l'avez un petit peu oublié, mais c'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette période qu'on est en train de vivre, qu'on termine de vivre, on ne sait pas trop, mais en tout cas qu'on a traversé, et puis la nouvelle réalité qui va arriver sur l'aménagement du temps de travail, hein, vous me disiez qu'à la CUD, ça va aussi bouger sur les accords de télétravail. Donc bref, on va se retrouver dans une situation à très court terme ou à moyen terme, où il va falloir gérer des utilisateurs qui vont être à distance, chez eux, dans un espace de travail qui n'est pas celui qu'ils ont l'habitude d'occuper, etc., etc. Enfin, tout un tas de configurations qui font qu'on appelle ça du travail hybride. Comment vous voyez les choses? C'était, comme le disait Marie-Pierre, finalement, ça a toujours été la priorité, mais là, on l'a redécouverte, ou vous avez quand même le sentiment que ces questions-là deviennent plus prégnantes qu'il y a un an et demi. Alors, c'est vrai, en fin de compte, que pour nous, en fin de compte, en tant que DSI, la sécurité, en fait, c'est notre maître mot. On ne peut pas passer à côté. Du coup, effectivement, on a toujours eu cette tendance on va dire, à sursécuriser certaines choses où on passait un peu pour les casse-pieds de service en disant, oui, mais il faudra, en fin de compte, qu'on fasse autrement et qu'on rajoute de la sécurité au-dessus de la sécurité. Enfin, voilà, histoire d'avoir quelque chose le plus étanche possible. Et effectivement, en fin de compte, depuis ce confinement et la façon que nos agents, en fin de compte, changent de leur façon de travailler, en fait, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience de cette sécurité. Et les gens comprennent que, ben, en fait, la sécurité, c'est l'affaire de tous. D'autant plus qu'on essaye, en fin de compte, par le biais de messages ou de petites notifications, de rappeler à tous nos utilisateurs que y a des choses, en fin de compte, à vérifier, il y a des choses à regarder. Donc, c'est-à-dire que nous, en fin de compte, on a notre part de responsabilité, et nous aussi, en fin de compte, de notre côté, on regarde ce qui se passe sur l'ensemble du SI, on scrute
tout ce qui se passe, mais il faut bien prendre conscience et faire prendre conscience à nos utilisateurs que s'il y a un maillon dangereux dans la chaîne, c'est notre utilisateur. Et du coup, voilà, on a cette prise de conscience de l'ensemble, en fin de compte, de nos agents et également, en fin de compte, de nos dirigeants et de nos élus, de se dire, mais voilà, en fait, on commence à comprendre en fait ce que vous êtes en train de dire depuis des années. Et du coup, on a plus conscience de ce que vous faites et à quoi ça sert, en fait, j'ai envie de dire, les budgets, en fin de compte, qu'on vous donne pour la mise en place de ces moyens de sécurisation. Donc, dans moyens de sécurisation, effectivement, on tend à mettre du MFA ou des choses de ce type-là. On avait peur que le MFA, par exemple, chez nous, allait être en fait quelque chose de très bloquant en disant, mais voilà, encore une fois, la DSI, ils sont là en fin de compte pour nous bloquer, encore un truc en plus à faire valider pour pouvoir accéder à mon outil de travail, ça devient compliqué. Et en fin de compte, non, les gens en fait ont bien compris que la donnée est importante et il faut la sécuriser et que du coup, cette MFA que l'on met en place pour n'importe quel type d'accès est quelque chose en fin de compte de rentrer, on va dire, dans les mœurs. Les gens, en fin de compte, ont pris l'habitude pour accéder à leur compte bancaire ou à d'autres sites web pour faire leurs achats en ligne, que en fait, ils sont déjà victimes de cette contrainte-là. Et du coup, ça passe de façon beaucoup plus transparente pour eux. Okay. Et pour nous, en fin de compte, ça nous permet en fin de compte de pouvoir avoir un niveau de sécurité plus adapté, tout en sachant derrière que il ne faut pas oublier en fin de compte la supervision et de vérifier en fin de compte qu'il n'y a pas de faille de sécurité qui puisse en fin de compte nous révéler quelques problèmes. Marie-Pierre Leclerc acquiesce en plateau en disant oui, oui, absolument. Vous, la question de l'accompagnement, la formation, l'information des utilisateurs, comme vient de nous le dire Mathieu Catrix, chez Dassault, est-ce qu'il y a une culture sécurité qui par l'ADN de l'entreprise est plus développée, ou est-ce que vous avez aussi besoin d'expliquer ces enjeux des dispositifs de gestion des accès, des identités que vous mettez en place avec cette raison fondamentale, c'est on protège la valeur de l'entreprise, son fonctionnement et globalement l'emploi de tout le monde, quoi. Alors, chez nous, dans notre ADN, on a le réglementaire qui est dans notre ADN, ne serait-ce que à cause de tout ce qu'on fait en secret défense, confidentiel défense, mais aussi par rapport aux certifications de nos avions, donc civils. Donc le réglementaire est dans notre ADN. Pour ce qui est de la sécurité des données liées aux avions, ça, les gens en ont parfaitement conscience. Mais par contre, sur la partie sécurité, comme il disait, sur les VPN, sur les cartes cryptographiques dont on fait trois fois un mauvais mot de passe, elle est bloquée, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, par contre, effectivement, les gens étaient plus réfractaires au début, mais ils ont été très marqués pendant la crise, je pense, par toutes les attaques, les cyberattaques dont ils ont entendu parler, sur les hôpitaux notamment, qui ont beaucoup choqué les utilisateurs, enfin même les gens, les particuliers d'une manière générale. Et donc ils se sont rendus compte quand même que Dassault Aviation, on est forcément une cible, on est une cible intéressante, et que des gens qui pouvaient s'attaquer à un hôpital en pleine pandémie mondiale, ils n'avaient aucun scrupule à s'attaquer à nous. Et donc ça a été aussi une prise de conscience liée, comme le disait monsieur, au fait que dans leur quotidien maintenant, les gens ils sont face à de multiples contrôles de sécurité avec des injonctions à changer des mots de passe. Et donc ils commencent aussi à se rendre compte que nos directives et nos exigences, elles sont peut-être un peu plus fortes, mais elles sont dans une cohérence en fait du monde actuel. Et on n'est pas à côté du monde comme souvent dans les entreprises. Les gens ont l'impression quoi, de dire ouais, mais chez Dassault, non, chez Dassault, c'est sur la terre et on est bien présent. Et là, je pense que c'est une bonne chose que les gens au quotidien maintenant soient mieux protégés, alors qu'ils l'étaient que dans les entreprises. Vous allez dans le sens de ce que nous disait Stéphane Deux de Transdev ce matin, qui nous disait effectivement, c'est de plus en plus, ce sont les usages
numériques ou digitaux du grand public, enfin, en tout cas ceux qu'on a dans notre vie, dans notre vie privée, qui vont commencer à influencer finalement les usages professionnels. Et il prenait cet exemple-là où personne n'a de réticence à faire une double authentification quand on fait une opération de e-commerce en passant par son appli bancaire. Donc finalement, ça s'installe dans l'idée que ben, en entreprise, quand on doit faire deux opérations de checking d'identité, C'est normal. c'est normal, ça devient la norme. On a terminé déjà cette table ronde. Merci beaucoup, c'est passé extrêmement vite. 30 minutes, on les a passées ensemble avec vous, Marie-Pierre Leclerc, donc de Dassault Aviation, hein, experte en sécurité des terminaux et puis ingénieur chez Dassault Aviation. Mathieu Catrix, merci beaucoup, vous étiez avec nous depuis Dunkerque. Merci infiniment, vous êtes vous responsable d'exploitation à la DSI de la CUDE. Voilà, merci à tous les deux. On se retrouve un petit peu plus tard et tout de suite, on va laisser le plateau à Sandrine Cochard et à son invité. À tout à l'heure.